Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous fais en ce jour de pouvoir encore une fois de plus célébrer ta miséricorde. Et pour la joie qui est la nôtre, pour l'Église de France, de pouvoir retrouver le chemin des églises. Merci Seigneur de tout ce que tu permets pour notre vie et pour notre nation et pour le monde entier. Merci pour ce que tu permets pour l'Église tout entière répandue à travers le monde. Nous te rendons grâce et te bénissons Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Merci pour ce temps qui nous permettra de comprendre toujours plus ce pourquoi tu nous as façonnés. Merci de nous donner un amour ardent pour toi, comme tu l'as eu pour nous, Seigneur, d'équivaloir ton amour par ton propre amour, puisque c'est par ta lumière que nous verrons la lumière. Seigneur, toi seul en nous peux aimer en vérité comme tu aimes. Seigneur, si tu te plais, nous t'en supplions humblement. Ne permets pas que nous soyons nos propres maîtres. Viens prendre toute la place en nous. Viens t'établir en nous et fais de nous ta demeure. Viens, nous t'en supplions, ouvre le ciel et que les flots torrentiels de ta miséricorde inondent l'humanité, inondent nos âmes et nos cœurs. Viens, sois notre roi, sois notre maître, Seigneur. Tu es le seul vrai sur qui nous pouvons nous appuyer, le seul parce que tu es le seul maître, le seul créateur et tu es notre vie. Sois béni, Seigneur, de ce que tu es fidèle et de ce que tu vas réaliser tes promesses. Merci de tout cœur, merci infiniment. Nous te rendons grâce que ta miséricorde coule sur nous, comme tu l'as promis à cette heure où tu rends ton âme à ton Père. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô essence jaillie du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui Seigneur, nous avons confiance en toi. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de tout cœur et je vous dis encore toute ma gratitude pour votre fidélité. Merci, que le Seigneur bénisse votre détermination à vivre pleinement ce qu'il veut nous communiquer, sa vie divine, que nous trouvons d'une manière singulière et profonde dans les heures de sa passion, les heures qu'il a menées, qui l'ont conduit au rachat du monde. Nous parlions d'hier de la 16e heure que nous avons terminée et aujourd'hui nous commençons la 17e heure. Frères et sœurs bien-aimés,
Jésus est couronné d'épines et condamné à mort. Il est devant Pilate. C'est entre 9h et 10h du matin. Les bourreaux vont essayer de mettre Jésus à bout en lui infligeant de très, très, très violents tourments. Et nous avons vu dans la précédente heure combien Jésus a été flagellé comme personne ne l'a été, frères et sœurs d'amour. Combien, lorsqu'ils l'ont détaché de la colonne, il s'est écroulé dans son sang. Et ils veulent lui donner des supplices supplémentaires. Ils essaient de le redresser pour lui donner de nouveaux coups. Mais Jésus est tellement fatigué qu'il va de nouveau s'écrouler. Et alors, c'est alors qu'ils vont aller donc fabriquer cette couronne d'épines dont on a effectivement le reste sans épines ici en France sous forme de relique qui a été achetée par le Saint-Louis, par le roi Saint-Louis qui l'a amenée en France et qui dans un premier temps a été gardée dans la Sainte Chapelle, ensuite transporté à Notre-Dame de Paris, où la couronne était vénérée tous les vendredis de Carême et le vendredi saint, et qui est aujourd'hui, à cause de l'incendie, dans une église de Paris. Frères et sœurs bien-aimés, c'est authentique, c'est authentique. Et quand on voit la largeur de la couronne, effectivement, quand on imagine au cours des siècles, les épines ont été détachées de la couronne et vendues, soit offertes en gage, des choses comme ça. De sorte qu'on a là ce qui était la partie principale de la couronne qui portait ces couronnes-là. On voit effectivement ce que pouvait être cet instrument de torture que Jésus a porté sur sa tête et qui était en fait... qui se présentait sous forme de chapeau. C'était un peu, ça couvrait toute la tête de Jésus. C'est pourquoi nous parlerons de la manière dont les épines rentrent dans tout le crâne et puis dans le reste du visage. C'est simplement parce que lorsqu'il a été posé sur la tête de notre Seigneur, et comme c'est décrit très clairement, il y a justement les soldats qui ont essayé d'enfoncer les épines avec un bâton, donc en clouant presque, pratiquement. Donc, et c'est comme ça que Jésus a été plus que jamais torpillé, les épines qui sortaient de partout, donc de son visage. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement terrible ce que Jésus a souffert pour nous. Et alors, pourquoi Jésus a-t-il souffert une telle cruauté, frères et sœurs d'amour? Jésus l'explique. Il dit... Je dois refaire l'homme en toutes choses. Ses fautes l'ont couronné de probes et de confusion, si bien qu'il ne peut paraître devant ma majesté. Ses fautes l'ont déshonoré, en lui faisant perdre tout droit aux honneurs et à la gloire. Donc en fait, l'homme s'est couvert d'épines par ses péchés. L'homme a mis lui-même sur sa tête une couronne d'opprobre par ses péchés qui l'ont dénaturé et qui l'ont extrait de la gloire pour laquelle il a été créé. Et Jésus dit, par conséquent, je veux être couronné d'épines pour remettre sa couronne sur son front et lui restituer tous ses droits, son honneur et sa gloire. Mes épines seront devant mon Père. Ils seront devant mon Père. Réparation et disculpation pour ses nombreux péchés dans ses pensées, surtout dans son orgueil, surtout pour son orgueil. Mes épines seront des sources de lumière pour chaque intelligence créée et des voies de supplication pour qu'elle n'offense plus la majesté de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la raison de la couronne d'épines. Jésus veut écraser l'orgueil qui est au cœur de l'humanité et qui l'a poussé à sortir de l'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus veut restituer cette
disposition d'âme à s'unir au Créateur pour lui restituer ses droits de gloire, ses droits de sainteté, ses droits d'intelligence divine qu'elle a perdu, pour que Dieu seul vive en elle. Jésus donc met cette couronne d'épines, accepte cette couronne d'épines pour que nous soyons humbles, pour que nous soyons capables d'accueillir l'immensité de l'amour, de la bonté, de l'infinité de Dieu. Ce que nous ne sommes pas capables de faire dans une attitude, dans une disposition d'orgueil. Alors, les bourreaux vont revêtir Jésus d'une guenille et vont lui mettre dans cette couronne d'épines sur la tête. Et avec une incroyable furie, une furie infernale. Voilà, frères et sœurs d'amour. Et comme nous l'avons dit, Jésus est transpercé de partout, de son visage, par ses épines longues. On arrive même à avoir des dimensions précises de ses épines. C'était des véritables longues épines. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, est battu. Ensuite, on lui met un roseau à la main, en guise de sceptre. Et on le couronne de sarcasme. Il y a une succession de moqueries. Comme l'évangéliste nous le rapporte, ils font justement le pitre devant Jésus. Salut, roi des Juifs. Et puis, dis-nous qui t'a giflé. Si tu es le roi, dis-nous qui t'a giflé. Et il ricane d'un rire diabolique. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Jésus est dans une sorte de communion avec son Père qui le met dans une disposition de paix tout simplement céleste. Comment, frères et sœurs d'amour, arrive-t-il à être en paix? Nous avons la solution simplement parce qu'il est dans une intime et profonde relation avec son Père. De même, lorsque les opprobres des humiliations nous couvriront, ayons le réflexe d'entrer dans le cœur du Seigneur, ayons le réflexe de nous blottir dans son cœur pour recevoir de lui sa paix céleste et être non pas impassible, mais serein devant toutes les humiliations que nous aurons à subir en tant qu'enfants de Dieu. Alors Jésus, frères et sœurs bien-aimés, accepte tout cela. Il se tait, il repart pour les ambitions, il repart les ambitions de ceux qui aspirent à régner et qui recherchent les dignités, n'est-ce pas, qui causent les ruines des âmes parce qu'ils se préoccupent essentiellement, uniquement de leur gloire. Ils marchent sur des cadavres, ils marchent sur des âmes innocentes et puis usent de leur autorité de manière malveillante pour asseoir leur domination et atteindre leur but. Jésus répare, frères et sœurs bien-aimés, pour tout cela. Et quand il tient le roseau à la main, Jésus répare les nombreuses œuvres bonnes en soi, qui paraissent être des véritables sceptres, mais qui au fond sont portées par l'esprit de vanité, qui sont vides d'esprit intérieur et faites avec l'intention de plaire, de s'attirer les appréciations et la gloire, d'écraser, d'atteindre les fins de pouvoir et de domination. Et quand Jésus subit les moqueries, frères et sœurs d'amour, il répare pour ceux qui profanent et ridiculisent les choses saintes. Jésus est le Messie, le maître de la vie, le Fils du Dieu vivant. Il va subir toutes sortes d'humiliations de manière honteuse. Il le fait, frères et sœurs bien-aimés, pour réparer toutes les fois où des hommes, au cours des siècles, multiplieront des sarcasmes et des moqueries contre le roi des rois dans les tabernacles, en les piétinant dans des messes noires et autres. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, Jésus nous explique d'une manière tout simplement inimitable pourquoi il prend les épines. Les épines disent
Je veux être roi de ton cœur. Les épines disent, je veux être roi de ton cœur. Mon enfant, dit-il à Louisa, ces épines disent que je veux être roi de chaque cœur, que c'est à moi que revient toute domination. Toi, prends ces épines et pique-toi le cœur. Fais en sortir tout ce qui ne m'appartient pas et laisse une épine dans ton cœur comme rappel que c'est moi ton roi. Pour empêcher que quelque chose d'autre y entre, va chez tous les cœurs et en les piquant, fais en sortir toute fumée d'orgueil, toute pourriture de vanité et constitue-moi roi de tous. Jésus veut régner dans tous les cœurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs d'amour, il a porté les couronnes, la couronne d'épines, parce qu'il veut être le seul roi des cœurs. Pour que ces épines-là viennent blesser et extirper de nos cœurs tout ce qui n'est pas lui. Et voilà que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, est de nouveau devant Pilate. Après qu'on lui ait mis les flagellés, après qu'on lui ait mis cette couronne d'épines, après s'être moqué de lui, on le ramène devant Pilate dans un état déplorable et lamentable. Et Louisa s'approche de Jésus et va tout simplement tomber dans une sorte de d'extrême souffrance. Et Jésus va lui dire, mon enfant, viens entre mes bras, appuie ta tête sur ma poitrine et tu recevras les souffrances plus intenses et plus cruelles. Car ce que tu vois à l'extérieur de mon humanité n'est que l'écho de mes peines intérieures. Prête attention au battement de mon cœur et tu comprendras que je répare les injustices de ceux qui commandent, les oppressions qu'ils exercent sur les pauvres et les innocents, leur orgueil qui, pour obtenir des dignités, des fonctions ou la richesse, ne se gêne pas de désobéir aux lois élémentaires de leur conscience et d'écorcher leur prochain, fermant leurs yeux à la lumière de la vérité. Il dit, par ces épines, je veux briser leur orgueil. Et par les trous qu'elles font dans ma tête, je veux me frayer un chemin dans leur intelligence pour tout y réorganiser selon la lumière de la vérité. En étant ainsi humilié devant ce juge injuste, je veux faire comprendre à tous que la seule vertu est celle qui rend l'homme maître de lui-même. Frères et sœurs d'amour, nous comprenons que ce que Jésus subit extérieurement n'est que la manifestation d'une souffrance plus grande qu'il vit au tréfonds de son âme. C'est pourquoi la souffrance de Jésus ne sera jamais imitable. Tout simplement parce que Jésus souffre au tréfonds de son âme dans les sphères de sa divinité. Et comme il souffre dans les sphères de sa divinité, uni à son humanité, il peut donc porter une souffrance infiniment plus grande que tous les hommes de la terre réunis, simplement parce que c'est l'homme-Dieu qui souffre. Et Pilate, frères et sœurs d'amour, va l'interroger de nouveau. Il va lui poser la question quand il voit toute la déferlante de la foule. Il va lui poser la question, es-tu roi? Jésus ne répond pas. Et Pilate, qui va lui dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te condamner? Et Jésus va lui rappeler quelles sont ses véritables prérogatives. En fait, tu ne peux pas avoir de pouvoir sur moi. Ce n'est pas possible. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi
s'il n'ait été donné d'en haut. En fait, il faut être en communion avec le Seigneur pour avoir un pouvoir sur Jésus. Il faut avoir une relation intime avec son Père pour avoir un pouvoir sur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris avec Saint Padre Pio quand il disait « La prière, c'est la réalité, la chose la plus extraordinaire du monde. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. » Et nous comprenons que dans la prière et l'obéissance, nous avons un pouvoir sur Dieu. Au fond, tout simplement, parce que nous avons une même volonté avec lui, comme il est dans une même volonté avec son Père. Il a un pouvoir sur son Père, c'est pourquoi il obtient tout de son Père. Son Père a un pouvoir sur lui, c'est pourquoi il obtient tout de son Fils. Et dans la communion du Saint-Esprit, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons avoir un pouvoir sur Dieu si nous sommes dans une même volonté avec lui. Si nous sommes dans une même communion d'intimité avec lui et d'amour. Frères et sœurs d'amour, voilà le grand mystère. Et si Pilate avait compris cela, il se serait agenouillé. Il aurait dit oui. Je veux avoir un pouvoir sur toi, roi de Jésus de Nazareth. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux m'abandonner entre tes mains pour acquérir le véritable pouvoir. Voilà, frères et sœurs, nous cherchons le pouvoir là où il n'y en a pas. Dans les mesquineries de ce monde, le véritable pouvoir est dans l'abandon. Et dans la disparition à soi, la remise totale de sa volonté dans celle du Seigneur. Le véritable pouvoir est dans la vie de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit à Louisa, à travers les hommes, celui qui vit dans sa divine volonté est capable de traverser les cieux comme lui, de se répandre dans l'univers comme lui, d'avoir les mêmes prérogatives que lui, de sainteté, de puissance, d'amour, de force. Celui qui vit dans sa divine volonté est capable de faire ce qu'il a fait. Il le dit lui-même. Celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites et même de plus grandes car je retourne vers le Père. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, nous voyons jusqu'où ça va. Nous voyons jusqu'où ça va. Nous voyons jusqu'où ça va. Avoir le pouvoir sur Dieu. C'est simplement dire, Seigneur, donne-moi ta volonté et prends la mienne. Et alors, Pilate va présenter Jésus à la foule dans un état tout simplement lamentable. Selon la description de Louisa, âme sensible, abstenez-vous. Jésus est complètement, pratiquement en lambeaux. Ses os sont découverts. Il baigne dans son sang. On ne voit plus son regard, ce regard si pur et si saint, ce regard divin qui traverse les opacités n'est plus perceptible. Et voilà, frères et sœurs, il dit, voici l'homme, ecce homo, voici l'homme. Et la foule qui crie, et presque tout le monde crie, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Frères et sœurs, les bons comme les méchants crient, crucifie-le. Tous veulent la mort de Jésus. Tous, tous. Alors les uns pour des intentions malveillantes simplement parce que ils auront mis fin à l'œuvre de rédemption de Dieu. Et les bons, tout simplement parce que l'œuvre de rédemption commence avec cette mort. Voilà que la très sainte mère ne peut pas empêcher que son fils meure. Louisa ne peut pas empêcher que Jésus meure. Les saints et les anges ne peuvent pas empêcher que Jésus meure. Dieu lui-même, son Père, ne peut pas empêcher que Jésus meure parce que cette mort était le gage du salut de l'humanité. Et d'un autre côté, il y a la déferlante de l'enfer qui dit et multiplie des crucifiés, des crucifie-le, tout simplement pour que Jésus, celui-là qui leur fait ombrage, qu'on n'en parle plus pour qu'ils aient les mains libres pour continuer
a détérioré, a démoli l'humanité. Il ne nous reste plus, frères et sœurs bien-aimés, que de dire à notre Seigneur, oui Jésus, tu es venu, tu es mort pour nous. Jésus, j'accepte, je crois que cette mort était nécessaire et indispensable. Ne permets pas que je passe à côté d'un tel amour, je t'en supplie. Et alors, Pilate, au lieu de tirer la leçon pour entrer dans l'histoire et entrer dans l'éternité, Pilate, frères et sœurs bien-aimés, va se laver les mains. Il se lave les mains. Lorsque les cris vont se faire encore plus assourdissants, crucifie-le, crucifie-le. Vais-je crucifier votre roi? Crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate se lave les mains. Voilà, et Jésus se trouve là, incapable de trouver quelqu'un sur qui se reposer. Et Jésus repart ainsi pour tous les dirigeants de tous les temps, qui, parce qu'ils ont peur de leur poste, parce qu'ils ont peur de perdre la face, parce qu'ils ont peur de perdre leur prestige, désobéissent aux lois, à la justice, désobéissent à la vérité et aux lois sacrées, favorisent les impies et condamnent les innocents. Frères et sœurs d'amour, voilà ce que notre Seigneur subit, malheureusement. Il s'agit pour nous de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que le seul chemin pour entrer dans cette vie, dans la divine volonté, c'est de nous dépouiller de tout nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, d'entrer dans les profondeurs de la kénose de Jésus, qui passe justement par ce revêtement de la couronne d'épines dont les épines piqueront toutes les tentatives de vaine gloire, de vanité, de recherche de soi dans nos âmes qui nous empêchent de communier avec la vie divine même. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, passe incontournablement par l'humilité. Si je ne suis pas humble, frères et sœurs bien-aimés, je passe à côté. Je ne serai jamais dans la divine volonté. Et même sans comprendre ce qu'est la vie dans la divine volonté, de nombreux saints l'ont répété et martelé. L'humilité, c'est la vertu des vertus. L'humilité, c'est la vertu des vertus. Et saint Augustin pouvait dire, il y a trois voies, trois chemins pour arriver à Dieu. La première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'humilité. Et la troisième, c'est l'humilité. Jésus s'est laissé couronner d'épines pour que nous acquérions cette vertu indispensable pour vivre de la vie divine et pour entrer dans les profondeurs du mystère de l'amour de notre Seigneur tel qu'il nous l'a manifesté, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas possible autrement. Demandons cette sainte grâce au Seigneur et crions vers lui de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme. Demandons-le, lui, de nous accorder cette grâce, un signe supérieur à toutes les autres, qui renferme toutes les autres vertus, l'amour, l'espérance, la foi, la prudence, la tempérance, la maîtrise de soi, tout cela, frères et sœurs bien-aimés, sont portés par cette vertu extrême qui a poussé Jésus à quitter le rang qu'il égalait à Dieu, comme dit l'épître saint Paul aux Philippiens, pour rentrer dans notre condition humaine, et se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'humilité par excellence, l'homme humble par excellence, c'était Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi le couronnement d'épines nous rappelle cette vertu et cette grâce. Demandons-la de tout notre cœur, frères et sœurs. Aimons Jésus, mettons nos pas dans ses pas. Vivons comme il a vécu, n'ayons que lui, frères et sœurs, et priez pour nous, pauvres prêtres, qui très souvent utilisons la parole de notre Seigneur pour nous enorgueillir, pour trouver une place au cœur des estimes, pour essayer de
d'asseoir une autorité. Priez pour nous, frères et sœurs bien-aimés, qui célébrons les messes sans y penser, qui célébrons les messes pour nous faire voir et être admirés dans nos gestes et dans notre manière de faire. Priez pour nous, frères et sœurs d'amour. Le mystère est grand et le Seigneur en souffre. Le Seigneur en souffre. Le Seigneur en souffre comme personne d'autre. Jésus, nous te supplions, écoute-nous, pardonne-nous. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Et nous t'attendons de tout notre cœur. Nous t'attendons, Jésus. Nous t'attendons. Seigneur, nous t'en supplions. Nous voulons te dire que tu es notre seul sauveur, que tu es notre seul roi. Toi seul, Jésus. Toi seul. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et son humilité. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi.